Et 3 ans se sont écoulés depuis le premier passage de Norbert Tarrer aux Finnois. Révélé en 2012 par l'émission Top Chef, il est de retour et propose avec le chef Jérémy Martin 3 soirées qui devraient ravir les papilles des gourmets. À quelques heures du lancement de la soirée Tapas, Veitiarigoubri et Meriteato, on rejoint le duo en cuisine. Regardez. Une dose de prise de risque, beaucoup de fraîcheur, de la gastronomie française associée à des produits locaux, c'est la recette gagnante du chef Norbert. En fait, c'est ça la cuisine, c'est savoir si t'es capable de réagir et de faire face à tout type de cuisine, n'importe où dans le monde. Là, j'ai quitté ma banlieue parisienne où j'ai mes restaurants, j'ai mes chefs, et je viens ici et hop, le tablier, on coupe, on fait les jus, on fait tout. C'est un grand plaisir de le recevoir à l'hôtel Témona. C'est un plaisir de le partager avec lui sur des moments culinaires et même vie privée. C'est très intéressant et enrichissant. Il nous apprend des bases, des nouvelles techniques de cuisine. Et même pour les cuisiniers qui sont avec nous, c'est que du bonheur. Objectif du jour, préparer les 2 dîners à 4 mains prévus ce week-end. Pour relever ce défi, Mahana, un jeune commis, est venu leur donner un coup de main. Non, au contraire, ce sont des expériences qu'il faut prendre en fait. C'est des expériences qui nous enrichissent, surtout nous les jeunes, et qu'on a tout à gagner en fait. Pour la soirée tapas, tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à assembler. Regarde ça. Et parce qu'on mange d'abord avec les yeux, c'est un soin particulier qui est accordé à chaque assiette. En avant-première, voici donc l'un des plats préparés en ce moment même à la soirée Food and Drink.